Rassurez-vous, les sportifs ont aussi du cœur. Deux coureurs de la région vont prochainement mettre leurs jambes au profit de l'association ELA, qui lutte contre les leucodystrophies, des maladies qui affectent le système nerveux. Didier Folker se lance fin août dans le défi de l'ultra-trail du Mont Blanc, 166 km pour un dénivelé de près de 10 000 mètres. Et le patron de Camden Town à Bienne participera, lui, à la course biennoise des 100 km. David Jean Monod se dit prêt et motivé à récolter des fonds pour cette association. C'est juste incroyable quand tu vois des enfants qui sont malades, t'as juste envie de faire quelque chose. La motivation, elle est naturelle, elle est humaine. Et puis pour moi, la grande motivation, ce sera que j'ai mes enfants, j'ai ma femme qui me soutiennent pendant la course. Et que quand je vois mes enfants qui sont en pleine forme, j'ai envie de faire qu'une famille dont un enfant est malade puisse avoir un sourire pendant au moins une journée ou deux. Quand j'ai rencontré Arnaud, quand j'ai rencontré des malades, j'ai ces images, je vais les prendre avec moi à la nuit des 100 kills, et puis c'est ces images qui vont me faire avancer encore plus vite, plus facilement et avec le sourire. Pour soutenir l'action de David Jean Monod et Didier Folker, rendez-vous sur le site www.ela-asso.ch.